Un ouvrier, il travaille avec ses mains. Et l'artisan, il va travailler avec ses mains et son cerveau. Mais l'artiste, il va ajouter son cœur. C'est-à-dire, l'artiste, il va toujours caresser la pièce, il va chercher le côté sentimental ou bien des choses qui vont nous permettre de se poser des questions. Je m'appelle Mustapha Chadid, je suis artiste sculpteur sur métal et j'habite à Saint-André-Avelin. J'étais au Maroc, mon père était forgeron, mon grand-père était forgeron. Alors j'ai vécu dans le métal depuis mon jeune âge. J'ai aidé mon père dans le métal et on faisait la ferronnerie d'art, des rampes d'escalier, des fenêtres, des portes en fer forgé. Et avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser à l'art, voir les autres artistes, Picasso, Mondrian et tout ça. Alors je me posais des questions, c'est quoi? Et quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai fait l'université. J'ai fait un baccalauréat en art visuel. Et c'est là où j'ai commencé à faire des œuvres d'art. Je suis en train de coller J'ai choisi les feuilles d'acrylique transparentes, on appelle les plexiglas, mais en couleur, en plusieurs couleurs. Tout ça, c'est pour représenter l'eau, la transparence de l'eau, parce que il a joué aussi, l'eau a joué beaucoup d'importance dans la région. Ma sculpture, c'est pour parler du bois, du fer et de l'eau. C'est comme un arbre pour représenter l'industrie forestière et la forêt de la région de Turceau. Le tronc, il est fait avec des barres parallèles pour transposer ou pour représenter le chemin de fer qui a joué un rôle très important dans le développement de l'industrie forestière de la région. Et les branches de cet arbre, ils sont faites de morceaux en amalgame. C'est pour rappeler quand les draveurs font voyager les morceaux de bois. Le syndrome d'ajouter plus, tu comprends? Ouais, ouais. Bien de ne pas faire beaucoup, c'est des trucs comme ça. Et en réflexion. Faire un point final ou non? C'est en réflexion là. Oui. Ok, bon, tu vas ajouter autre chose, c'est ça? Je sais, oui. Quand on voit un artiste qui travaille en plein air, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais là on le voit directement, on peut discuter avec lui. On peut apprendre plein de choses, comment il coupe le métal, comment il va souder l'aluminium, comment le bois aussi, comment il va manipuler le bois. Je crois que c'est une expérience très riche. Alors j'ai choisi le thème de l'arbre. Ça s'appelle un arbre à Turceau. C'est une représentation abstraite d'un arbre. On voit les volutes. Les volutes, ça c'est pour la végétation. Et j'ai choisi le pied comme ça parce que ça rappelle le chemin de fer. Et j'ai choisi le vert comme ça, c'est des feuilles d'acrylique transparentes, c'est le plexiglas transparent. C'est pour représenter l'eau. Et il faut revenir quand il va neiger. Avec la neige, ça va sortir mieux, la couleur. Alors c'est un jeu de couleurs que j'ai la première fois que j'essaye ça. Je mélange le plexiglas avec le métal pour parce qu'il y a une richesse et une profondeur de couleurs et tout ça. Merci. Merci.